Donc maintenant, je passe à l'énumération, si je peux dire, de toutes les gammes majeures. Alors, j'oublie complètement les gammes mineures, je ne m'occupe que du majeur. C'est déjà une bonne chose. Il y a beaucoup de manières de s'y prendre. Je vais tout de suite laisser tomber une manière qui est indiquée dans les méthodes qui sont bonnes, hein, elles ne sont pas, qui parlent des deux tétracordes, en fait, etc., que je ne trouve pas extrêmement pertinentes. Ce que je demande simplement d'étudier pour les étudiants, c'est de connaître cet ordre. Déjà, je l'énonce comme ça, c'est l'ordre des quintes. C'est-à-dire que Do, quelle est la quinte au-dessus de Do? Tout simplement, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, c'est Sol. C'est la dominante de Do, d'ailleurs. On a un rapport de tonique à dominante. Ça, c'est le premier degré de la gamme. Ça, c'est le cinquième degré de la gamme de Do. Mais ça devient la tonique de la gamme de Sol. C'est ça qui va se passer. C'est que chaque dominante devient tonique à son tour et crée une nouvelle gamme. Donc cet ordre est assez facile à connaître. Je l'écris de manière linéaire. Do, la quinte au-dessus, c'est Sol. La quinte au-dessus de Sol, c'est Ré. En effet, Ré est bien la dominante de Sol, etc., etc. Ré, la dominante de Ré est La. Puis Mi. Puis Si. Puis Fa dièse. Bien sûr, Fa dièse, attention, hein. Fa. C'était la quinte diminuée. Toutes ces quintes sont justes, donc bien sûr celle-ci aussi. Il est hors de question de penser à Fa, hein. Bien, c'est bien Fa dièse. Et la quinte au-dessus de Fa dièse, et j'en aurais terminé pour cette ligne, ça tient sur une ligne, c'est ce qu'il fallait. La quinte au-dessus de Fa dièse, c'est Do dièse. Alors ce qui est très intéressant à voir, c'est que les deux bornes de cette ligne, c'est bien Do et Do. Je suis parti de Do et je suis arrivé à Do dièse. C'est pas mal. Voilà, donc ici j'écris ces gammes-là se suivent dans l'ordre de croissant des dièses. Do n'a pas d'altération, ni dièse, ni bémol. C'est bien la gamme qu'on connaît, Do, Ré, Fa, Sol, La, Si, Do. Cette gamme, la gamme de Sol majeur, a un dièse. La gamme de Ré majeur a deux dièses. La gamme de La a trois. Mi a quatre. Si a cinq. Fa dièse a six. Et Do dièse a sept dièses. Alors, c'est aussi une chose à remarquer, il est tout à fait naturel que Do dièse, bon, si jamais ce n'était pas vu du premier coup, je le montre, hein, Do dièse à 7 dièses, c'est naturel, puisque la gamme de Do est bien Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. La gamme de Do dièse, c'est bien la même, mais tout est dièse, c'est-à-dire Do dièse, Ré dièse, Mi dièse, Fa dièse, Sol dièse, La dièse, Si dièse, Do dièse. Toutes les notes sont dièses. C'est donc naturel qu'elle cumule tous les dièses. C'est une gamme, je le dis tout de suite, qui va être très peu employée. Attention. Je ne veux pas du tout dire par là que la tonique Do dièse n'existe pas. Il y a beaucoup d'œuvres qui ont une tonique Do dièse. Mais quand le compositeur, on va trouver beaucoup d'exemples, je donne deux exemples qui me viennent en tête. Beethoven, dans la sonate, cette fameuse illustrissime sonate dite Clair de Lune, qui a été nommée Clair de Lune après lui, elle est en Do dièse mineur. Elle est en Do dièse mineur. Son premier mouvement est en Do dièse mineur, son dernier mouvement est en Do dièse mineur. Mais la partie centrale est en Do dièse majeur. Mais le compositeur ne l'a pas écrite en Do dièse majeur, il l'a écrite en Ré bémol majeur. On est bien d'accord que Do dièse et Ré bémol, c'est la même note. Donc il utilise la tonalité de Ré bémol majeur qui a l'avantage sur le papier, dans l'écriture, de ne pas avoir cette altération, cette dièse. Peu importe, la gamme de Ré bémol a 5. N'a que 5 bémols, ce qui est déjà pas mal. Mais enfin, elle est plus traitable, si j'ose dire, que la gamme de Do dièse majeur. Donc, pratiquement, la gamme de Do dièse majeur n'est jamais employée. Et quand elle est employée, on a recours à celle-ci. D'ailleurs, il faut faire attention, hein, quand on a des oppositions, enfin, ce ne sont pas des oppositions, mais des successions de tonalités Do dièse mineur, Ré bémol majeur, ne surtout pas comme certains naïfs. On se disent, ah tiens, quelle tonalité très différente. C'est non seulement pas différent, mais c'est même la même chose. Hein. Donc, bon. Alors, maintenant, j'en reste un petit peu à cette série de gammes majeures avec les dièses. Je fais remarquer une chose, c'est que voilà la gamme de Sol majeur, ici, la première qui a un dièse, c'est bien ça, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. Si j'avais fait Fa sol, cette gamme ne serait pas bonne, ne serait pas une vraie gamme majeure, parce qu'il lui manquait sa sensible. Fa sol est un ton. La caractéristique de la tonalité, c'est qu'elle a une sensible, aussi bien en majeur qu'en mineur. Donc, il me faut absolument en sol majeur une sensible, c'est-à-dire un demi-ton ici.
Donc elle a bien, elle reçoit bien le premier dièse. Donc ce qu'il faut savoir, ça c'est aussi un aspect très important, c'est que le dièse qui se rajoute à chaque fois, dès le premier ici, c'est la sensible. Voilà. Donc je vais écrire, si fastidieux que ça puisse paraître, de tout noter, je vais quand même le faire pour que ce soit très clair. Le dièse qui apparaît en sol est bien le fa dièse, c'est-à-dire la sensible de cette gamme. Dans la gamme de ré, j'ai le fa dièse. Il y a deux dièses. Ces deux dièses sont le fa dièse qui était déjà acquis dans la gamme de sol, et le nouveau dièse qui va arriver sera la sensible de ré, c'est-à-dire do dièse est bien la note précédant ré d'un demi-ton, la sensible. La sensible de la, prenons cette gamme à trois dièses, c'est bien le sol dièse. Sol, c'est bien la note un demi-ton sous la. Donc les trois dièses sont bien le fa dièse qu'il y avait dans ces deux gammes, le do dièse, et le nouveau dièse est le sol dièse. Je continue ce joli tableau. En mi majeur, la sensible est bien la note ré dièse. Et bien les quatre dièses sont ces trois premiers, fa dièse, do dièse, sol dièse, et le quatrième dièse est le ré dièse. Voilà. Il n'est peut-être pas très important que je continue, je crois que c'est assez clair comme ça. Ça sera la même chose ici, j'aurai bien les quatre dièses acquis dans la gamme précédente, et le nouveau dièse sera le... Oh, je vais le faire, j'écris pas tout, mais le nouveau dièse sera le la dièse, la sensible de si. Ici, faisons très attention, la sensible de fa dièse est mi dièse. Attention, c'est bien la touche fa qu'on trouve sur le piano, hein. Le mi dièse est la touche fa, mais c'est... il faut bien l'appeler mi dièse, hein. C'est la note avant fa. Il ne faut jamais remettre en cause, j'ai l'occasion souvent de le dire, ce qu'on apprend quand on est même, quand on commence la musique à 3 ans, on peut apprendre à 3 ans que l'ordre des notes est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Il ne faut jamais l'oublier, c'est-à-dire qu'avant fa, c'est toujours mi. Donc avant fa, c'est toujours mi, quand bien même ce mi est la note fa du clavier. Hein, donc il faut bien l'appeler mi. Et ici, bon, peu importe, c'est si dièse. Hein, voilà. Alors après, on apprend ça, je crois que c'est assez connu, parce que justement, c'est un peu... C'est presque agaçant que ce soit connu, si j'ose dire. J'étais en train de chercher mes mots, mais on apprend l'ordre des dièses, c'est-à-dire l'ordre d'arrivée des dièses dans les gammes en dièses. Fa, do, sol, ré, la, mi, si. On le redit. Fa, do, sol, ré, la, mi, si. Mais ce qui m'agace dans cette histoire, justement, c'est que beaucoup d'élèves sont prompts à apprendre l'ordre fa, do, sol, ré, la, mi, si, mais ne jouent pas la bonne gamme quand ils sont devant le clavier. C'est pour ça que je reviens à ce que je disais avant, il faut bien la jouer et bien la savoir concrètement. Simplement dire qu'en mi majeur, il y a quatre dièses, c'est insuffisant. Parce que de toute façon, en mi majeur, certes, il y a quatre dièses, mais il y a aussi trois bécards, qui sont le mi, le la et le si. Donc il faut avoir présent de toutes les notes de la gamme et ne pas focaliser l'attention sur les dièses, si important qu'ils puissent être. Voilà, ça c'est très important. J'arrête avec ça. J'efface le tableau parce que de toute façon, je n'aurai pas assez de place. Donc ici, on a le tableau, comme ça, en fil, de toutes les gammes en dièse. Maintenant, je vais m'amuser, si j'ose dire, à le faire à l'envers, parce que je crois que c'est plus parlant. Je m'explique quand je dis à l'envers, c'est-à-dire que j'ai écrit les quintes ascendantes, j'ai écrit Do, la quinte au-dessus de Do, c'est Sol, la quinte au-dessus de Sol, c'est Ré. Maintenant, je vais partir de Do que je vais mettre à droite du tableau ici, et je vais aller vers les quintes descendantes, c'est-à-dire la quinte inférieure. La quinte en dessous de Do est Fa. La quinte en dessous de Fa n'est surtout pas Si, bien sûr, on revoit la quinte diminuée, donc surtout pas Si, mais Si bémol. La quinte en dessous de Si bémol est bien Mi bémol. La quinte en dessous de Mi bémol est bien La bémol. Puis je continue à descendre, j'ai Ré bémol, Sol bémol, et j'arrive en dernier, j'ai peu de place, j'aurais dû écrire plus petit, j'arrive avec Do bémol. Je me retrouve avec la même situation que j'ai signalée tout à l'heure. J'avais commencé par Do, j'étais arrivé à Do dièse, où j'avais tous les dièses. Ici, je suis parti de Do, de la même manière, j'arrive à Do bémol, qui est la gamme qui a tous les bémols, qui a 7 bémols. Et qui, à son tour, ne sera pas très utilisée. On lui préférera la gamme de Si, bien sûr, puisque Do bémol est la note Si.
Donc on est bien d'accord que Do n'a pas d'altération, que la gamme de Fa majeur a un bémol, la gamme de Si bémol, 2 bémol, Mi bémol, 3 bémol, La bémol, 4 bémol, Ré bémol, 5 bémol, Sol bémol, 6 bémol, et Do bémol, allez, 7, mais encore une fois, n'est pas vraiment employé. Voilà. Alors maintenant, j'aurais pu faire, je ne vais pas le faire, ou je peux le faire en petit pour... Je vais le faire en petit, c'est très vite fait. J'écris tous les dièses par là, tous les bémols par là, donc j'avais Do, la gamme de Sol, un dièse, Ré, j'écris pas, La, Mi, Si, Do dièse. De l'autre côté, les bémols, donc Do est au milieu, voilà, Fa, ce tableau-là, Fa, Si bémol, Mi bémol, La bémol, Ré bémol, Sol bémol, Do bémol. Voilà, et là j'ai donc toutes les gammes. D'un côté, tous les dièses, de l'autre côté, tous les bémols. Maintenant, je remarque une chose, c'est que... Pardon, j'ai oublié une gamme. Hein. J'ai oublié la gamme, bien sûr, c'était elle qui m'intéressait. Donc je la vois, j'espère que je n'en ai pas oublié d'autres, donc tout y est. Fa dièse et Do dièse. Alors ici, je vais même prendre un rouge pour qu'on voit bien. Je supprime les deux gammes qui sont saturées, si j'ose dire. Hein. On peut dire saturées de dièse ou de bémol. Les deux Do. Et je m'arrête à Fa dièse d'un côté et à Sol bémol de l'autre. Et qu'est-ce que je remarque? C'est que c'est bien la même note. Sol dièse et... Sol bémol, pardon. Et Fa dièse. Donc ça, finalement, ce sera deux manières d'écrire la même gamme. La gamme de Sol bémol ou la gamme de Fa dièse. Et donc, j'ai bien ici, celle-ci, autrement dit, ces deux gammes de la même manière qu'il y a un instant. Donc j'ai détaillé un petit peu, enfin pas qu'un peu, j'ai détaillé les dièses, l'arrivée des dièses. Les dièses qui s'ajoutaient au fur et à mesure, et je disais que c'était à chaque fois la création d'une nouvelle sensible. Quand on était en Do et qu'on passait en Sol, passer de Do à Sol, c'est créer une nouvelle sensible. C'est créer une nouvelle tonique, et cette tonique doit être servie par sa sensible. Donc quand on passe de Do à Sol, on rajoute bien le Fa dièse. Mais alors inversement, je le refais quand même ici, je profite de cette petite représentation pour m'en servir. 2 dièses ici, 3 dièses ici. Remarquez bien ça, il faut bien suivre ça. Par exemple, je suis en La majeur. Parce que je dis toujours, et j'ai raison, et c'est naturel, et c'est tout à fait juste, je pars toujours de Do, comme si Do c'était, et c'est réellement l'exemple de tout, à partir duquel tout part. Mais on peut imaginer un système musical où le centre serait La majeur. Voilà. Eh bien, La majeur, passer à la quinte supérieure, c'est créer un dièse, c'est créer la sensible de Mi, c'est-à-dire le Ré dièse, le quatrième dièse. On est bien d'accord. Mais de la même manière, ça c'est un élément qui est extrêmement important, passer de 3 à 2, c'est enlever un dièse, c'est supprimer une sensible. Dans ce cas-là, c'est créer une sensible. Dans ce cas-là, c'est supprimer une sensible. Or, le troisième dièse ici était bien la sensible, Sol dièse, la sensible de La. Passer à Ré, c'est introduire le Sol d'écart. Ça, c'est très important. C'est supprimer une sensible. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est important de comprendre ce qui se passe ici. C'est pour ça que je pense qu'il était assez pertinent d'écrire dans ce sens-là, pour bien montrer que c'était le sens contraire. Et en effet, la sensible de Do est bien la note Si. Or, passer à Fa, à la quinte inférieure, c'est supprimer la sensible, c'est-à-dire introduire le Si bémol. Voilà. Donc, à chaque fois, je supprime une sensible. La sensible de Fa est bien Mi. Je supprime la sensible, j'introduis donc le Mi bémol. Donc, j'ai bien mes deux bémols, le Si bémol qui était déjà en Fa, plus le Mi bémol, c'est-à-dire suppression de la sensible de cette tonalité. Je le continue peut-être une fois ou deux encore, bien que je puisse tout faire, mais c'est peut-être un peu fastidieux à énumérer comme ça. Ici, Mi bémol à trois bémols, à savoir le Si bémol, le Mi bémol, et l'abaissement de la sensible de Si, de Si bémol. La sensible de Si bémol est bien La. L'abaissement du La en La bémol. J'ai l'abaissement du La en La bémol. Et je me trouve donc avec une série, comme j'ai eu la série des dièses qui était
je le redis, il faut bien la savoir, l'ordre des dièses, fa, do, sol, ré, la, mi, si. De la même manière, j'ai l'ordre des bémols qui est si, mi, la, ré, sol, do, fa, c'est-à-dire le contraire. Hein. Il faut bien les entendre, fa, do, sol, ré, la, mi, si, et je repars du si, si, mi, la, ré, sol, do, fa. Voilà. Ça, c'est très important. Alors, tout ceci étant dit, après, eh bien, je dois prendre du temps à chaque fois quand j'écris, je le dis dès aujourd'hui, mais j'aurai l'occasion de beaucoup le redire, lors des exercices d'écriture qui seront le stade du bien après, hein, dans les vidéos futures et bien futures. Quand on va étudier, par exemple, un jour, un exercice qui sera en si bémol, eh bien, on se replongera bien dans la tonalité de si bémol qu'il faudra vraiment bien connaître. Et je redis ce que je disais pour les gammes en dièse. Si bémol, c'est certes deux bémols, mais c'est aussi cinq bécards. Hein. On est bien d'accord. Donc, il faut bien connaître toute la gamme de si bémol et ne pas focaliser l'attention uniquement sur ces deux, j'allais dire, deux altérations. Ce ne sont même plus des altérations, ce sont des altérations constitutives de cette gamme. Ce serait le si bécard et le mi bécard qui seraient des altérations. Hein. Donc ce ne sont même plus des altérations, c'est-à-dire qu'on en arrive à considérer les altérations qu'on va mettre à la clé plus comme des altérations, ce sont les notes, les vraies notes réelles de la gamme. Voilà. Alors maintenant je reviens à la présentation, je vais effacer le tableau pour le représenter de manière différente. Je reviens à la représentation générale de toutes les gammes. Il y en a bien sûr 12. Je peux même les compter. Partons d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ce serait 13 avec celle-ci, mais encore une fois, ces deux-là sont les mêmes. Donc il y en a bien 12. Comme il y en a 12, eh bien ma foi, c'est une bonne chose, ça, dans de nombreux ouvrages, on voit cette représentation. Personnellement, je suis très attaché, parce que je la trouve extrêmement pertinente. On représente l'ensemble des 12 tonalités, et dans un premier temps des 12 tonalités majeures, sous forme de cycles, c'est-à-dire de choses circulaires, de cette manière. Voilà, je représente un rond comme ça. Et 12, et bien sûr, c'est comme les heures de la journée. Donc on a coutume de voir un cadran horaire, enfin une horloge, dirons-nous, une montre. Donc on voit bien là, les 12 positions. Référence à l'heure, c'est midi, 13h, 6h, 9h. Donc j'ai bien ici deux intermédiaires. Ça se dessine donc assez facilement, hein, visuellement. Et je représente dans ce cycle les 12 tonalités. Je fais figurer ici Do, la gamme de Do majeur, qui n'a pas d'altération. Quand je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ici, les dièses croissent. Les dièses augmentent dans ce sens-là, plus dièse par là, plus bémol par là. C'est ce que j'avais représenté de manière horizontale tout à l'heure. Mais comme on a vu que les deux bornes se rejoignaient, en fa dièse et sol bémol, ça sera ici, aux antipodes du Do, j'aurai ici les deux gammes fa dièse et sol bémol. Voilà. Donc c'est pas mal. Alors voilà ici, un dièse sol, deux dièses ré, trois dièses la, quatre dièses mi, cinq dièses si, six dièses fa dièse. Je dis, vous remarquerez, c'est une habitude que j'ai, c'est pas français ce que je dis, hein, c'est pas grave. Hein. Je dis pas si dièse, je dis six dièse. C'est pour ne, ou je ne dis pas si bémol, je dis six bémol, parce que si je dis si bémol, on pense que je parle de la note si bémol. Donc voilà, et si dièse, on pourrait penser que je parle de la note si dièse. Il y a bien six dièse. Enfin, j'articule pour être très clair. Et ici, je tourne vers les bémols, donc la gamme de fa majeur, la tonalité de fa majeur a un bémol, 2, 3 bémol, 4 bémol, 5 bémol et 6, pour reprendre ça, 6 bémol. Fa majeur, si bémol majeur, mi bémol majeur, la bémol majeur. Pardon, je l'ai réécrit un peu mieux quand même. Sol bémol ici, la bémol majeur, sol, pardon, ré bémol, excusez-moi, ré bémol majeur. Ré bémol majeur. Voilà. On est d'accord. Et on est bien d'accord d'ailleurs que si je continuais, j'ai supprimé, je vais quand même les mettre, j'ai supprimé, de manière peut-être un peu hâtive quand même, mais il ne faut pas les exclure, les deux tonalités à 7 altérations. Donc ici, si je continue comme ça, j'arrive à sol bémol,
et c'est 6 bémol. Si je continue, j'arrive à Do bémol, et c'est 7 bémol. Donc Do bémol et Si, c'est bien la même chose. Donc on va lui préférer très largement Si, bien sûr. De la même manière, si je continue les dièses, 5 dièses, 6 dièses, 7 dièses, c'est Do dièse. Do dièse, c'est bien la même chose que Ré bémol, donc on lui préférera Ré bémol systématiquement. Je dis bien systématiquement, hein. C'est très rare les compositeurs qui écrivent en Do dièse. Alors ça arrive, c'est exceptionnel. Bon, par exemple, dans le clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach, lui, il écrit en Do dièse, parce qu'il passe en revue toutes les tonalités. Et quand il arrive à Do dièse, il écrit Do dièse. Mais c'est un peu par volonté de montrer que ça existe. C'est un peu pédagogique, si j'ose dire. Ça démarche d'écrire le prélude des fugues en Do dièse majeur. Après ça, on n'a pas écrit Do dièse majeur. On écrit Mozart, écrivait en Ré bémol, n'écrivait pas en Do dièse. Voilà pour le tableau. Alors j'invite les étudiants à refaire ce tableau, à le mémoriser. Et encore une fois, j'attire l'attention de chacun sur le fait qu'il faut connaître très bien chaque tonalité intimement, si je veux dire, savoir la jouer sur son instrument, bien en connaître toutes les notes, et ne pas se réduire à ça. Je vais terminer. Je vais en parler à part, sur une autre vidéo, j'aurai l'occasion d'en parler, mais je ne veux pas alourdir aujourd'hui ce propos. Il faut préciser que chaque ensemble, alors on appelait dans le temps armature, on disait à la clé, hein, tout le monde le sait ça, hein, de toute façon, qu'à la clé, quand j'ai deux dièses, ça s'appelle l'armature à la clé. On disait armature à la clé. Moi, je me suis habitué à dire, comme tout le monde aujourd'hui, on dit l'armure. Enfin, on pense à une armure médiévale, il ne s'agit pas d'armure, il s'agit d'armature. Bon, disons armure. Alors, quand on a une armure à la clé, par exemple, ici, deux dièses, eh bien, deux dièses, le voilà, il y a toujours un couple, c'est-à-dire deux gammes qui sont en couple, c'est vraiment un couple. Elles sont deux et elles sont attachées, si j'ose dire, pour l'éternité. Si mineur à la gamme majeure correspondra toujours sa relative mineure qui est située deux notes plus bas que Ré, dans la gamme de Ré. J'insiste bien dans la gamme de Ré, la gamme de La, je descends deux notes, je suis en La, sur la note La, je descends Sol dièse, Fa dièse, je tombe sur Fa dièse. Donc ce qu'il faudra bien étudier, ce sont ces couples-là. On dira que les deux gammes sont mises en relation l'une avec l'autre, et que c'est pour ça que cette gamme de Si mineur, on la qualifie de gamme relative mineure de Ré majeur. Inversement, on dit que Ré majeur est la relative majeure, ou la gamme relative majeure de Si mineur. Donc il faut connaître très bien ces couples de relatives. Donc à Do majeur, je descends deux notes plus bas, Do, Si, La, j'ai la note Là. Donc, j'ouvre ma partition, je n'ai rien à la clé. Je sais que je peux être ou bien en Do majeur, ou bien en La mineur, qui est la relative mineure. Le rapport de Do à La est une tierce mineure. Donc, systématiquement, ça sera une tierce mineure plus bas. Sol majeur, Mi mineur. J'écris systématiquement majuscule pour majeur, minuscule pour mineur. Ré majeur, Si mineur, La majeur, Fa dièse mineur, Mi majeur, Do dièse mineur, etc. Fa majeur, Ré mineur, Si bémol majeur, Sol mineur, Mi bémol majeur, Do mineur, La bémol majeur, Fa mineur, etc. Je les écris rapidement. Voilà. Il faut refaire ce tableau. Là, ça fait beaucoup d'informations. Je dirais presque un peu trop, il faut le réétudier, bien sûr, voir ces gammes en détail. Bien, voilà, je termine ici pour aujourd'hui le chapitre sur les gammes, et puis nous continuerons après, lors de prochaines vidéos. Voilà, on aura la suite très bientôt. Merci.